Voilà, donc. Alors, j'ai intitulé ma présentation Qu'est-ce que le pouvoir en politique? Parce qu'une définition plus globale du pouvoir a été proposée hein, par Luc dans le cadre du premier débat sur ce thème au sein du Centre de renouvellement constitutionnel. Et cette définition globale qui avait été donnée, c'est être capable de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est être capable de faire quelque chose. Alors, c'est une définition qui est peu contestable, bien que le terme « capable », qui lui-même sous-tend l'existence de la fonction humaine de capacité, ce terme il mériterait qu'on s'y attarde un petit peu plus longuement afin d'identifier clairement les paramètres qui favorisent cette capacité humaine ou à l'inverse qui les défavorisent, qui les défavoriseraient. Alors, nous avons vu également que le pouvoir en tant que capacité de faire, c'est-à-dire finalement capacité d'agir, agir dans telle ou telle direction, ce pouvoir, il était multiforme, polymorphe, ce qui nous rappelle que le pouvoir au sens large pourrait même, pourquoi pas, faire l'objet d'une étude scientifique que nous dénommerions science de l'action, et laquelle d'ailleurs, certains penseurs, des penseurs généralement d'obédience économiste, ont même donné un nom, la praxéologie. Alors on pourrait citer notamment Ludwig von Mises, son ouvrage majeur, L'action humaine. Ludwig von Mises est l'un des créateurs de l'école autrichienne d'économie et notamment inspirateur de philosophies ultralibérales et libertariennes. Bref, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un domaine plus particulier du pouvoir, le pouvoir politique, comme je viens de le dire. C'est-à-dire, comment s'exprime cette fameuse capacité de faire de l'homme dans le secteur spécifique de l'action politique, sachant que nous étudions là un phénomène de nature totalement, je dirais, anthropomorphique, puisque la politique, c'est une création pure de l'esprit humain, et que la capacité de faire de l'homo sapiens par rapport à la politique répond à d'autres critères que ceux nécessaires à sa capacité de faire par rapport à la nature, par exemple. Mais la politique, en réalité, qu'est-ce que c'est? Parce que, bon, le terme politique, il fait partie des nombreux termes polysémiques dont il vaut mieux préciser la définition à chaque fois que nous l'employons, et également parce qu'il en va du discours sur la politique, comme il en va du discours sur d'autres thèmes centraux de l'organisation collective, à savoir que le discours ne peut pas être reçu correctement et donc approuvé ou contesté efficacement si le terme employé n'a pas été défini clairement au préalable. Alors, une acception la plus large possible, donc pouvant, me semble-t-il, être agréée par le plus grand nombre, une acception du mot politique, ça pourrait être celle-ci. Est politique, ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein. On notera dans un premier temps que cette définition évacue de fait l'acception couramment répandue dans les médias mainstream ou médias de masse, acception qui identifie la chose politique à une compétition électorale entre des groupes fort peu dissemblables les uns des autres. Bref, ce qu'on retiendra aujourd'hui, ce que je vous propose de retenir aujourd'hui, et dans le cadre du propos qui nous occupe, c'est que l'exercice de la politique vue sous cet angle restrictif des médias mainstream ou de l'option oligocratique, cette acception est réservée à une élite formée à cet effet et par conséquent quasiment inaccessible à tout individu non issu de cette filière. Ainsi décrite, l'élite politique, elle ressemble également de très près à l'élite économique, parce que toutes deux sont en charge d'élaborer des argumentaires pour vendre leurs produits auprès de citoyens considérés comme de simples consommateurs. De ce point de vue, le citoyen consommateur est donc également un électeur consommateur.
électeur-consommateur, cible privilégiée du politicien professionnel, dont le métier consiste dès lors à obtenir de l'électeur-consommateur un bulletin de vote en échange d'un produit. Alors en politique, nous appellerons un produit une promesse. Un produit, une promesse suffisamment appétant. Alors, à la suite de ce décryptage très précis du fonctionnement politique de la société actuelle, j'en arrive à la conclusion que la définition générique de la politique que j'ai donnée tout à l'heure est politique, ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein, que cette définition se doit d'être précisée ainsi. La science politique a pour objet de déterminer les méthodes et outils permettant à un groupe restreint d'individus d'exercer le pouvoir au sein d'une collectivité élargie. Nous remarquerons que cette deuxième définition n'est pas pour autant contradictoire avec la première. La première est politique, ce qui est relative à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein. Mais qu'elle précise singulièrement le contenu du ce qui, et par la même esquisse, les contours de ce fameux pouvoir que nous cherchons à circonscrire. Pouvoir qui deviendrait alors, dans le cadre du monde politique, du mode politique actuel, l'ensemble des moyens permettant à une minorité restreinte d'imposer sa volonté à l'ensemble de tous les citoyens. Alors, par quels moyens cette minorité restreinte exerce-t-elle son pouvoir? Alors, mode d'exercice du pouvoir que nous désignerons par le terme d'oligocratie, voulant dire étymologiquement exercice du pouvoir par un petit nombre, oligos kratein, oligos plus kratein. Contrairement à démocratie, demos kratein en grec, mode d'exercice du pouvoir par le plus grand nombre, petit nombre, plus grand nombre. Plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. Alors, mode d'exercice par le peuple, démocratie, qui, rappelons-le, n'a encore jamais été institué par aucune collectivité humaine, bien qu'il soit fréquemment cité et encore plus fréquemment usurpé. Alors, à quoi ressemble-t-il ce pouvoir oligocratique ? Pour commencer à nous faire un début d'idée, nous allons nous pencher un instant sur la Constitution. Que dit-elle là-dessus? Dans le texte constitutionnel de 1958, le pouvoir est cité 17 fois, à des sauces diverses et variées, sans que nous puissions tirer en première analyse et en première lecture le plus petit commun dénominateur nous permettant éventuellement de mieux comprendre ce que c'est que le pouvoir, sujet de notre étude d'aujourd'hui. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, partie intégrante du bloc, bloc constitutionnel, dans la DDHC par contre, et par l'intermédiaire de son article 16, nous apprenons que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, n'a pas de constitution. Toute société qui ne sépare pas les pouvoirs dans la constitution est réputée ne pas avoir de constitution. Ce qui signifie en termes clairs au moins deux choses. Ça signifie premièrement qu'en politique, il existe plusieurs pouvoirs. Et que deuxièmement, ces pouvoirs doivent être séparés pour qu'ils puissent être constitutionnellement validés. On en déduit qu'il est très important d'y voir plus clair sur ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs ou la multiplication ou la multiplicité des pouvoirs. Alors, on nous dit généralement que l'État est composé de trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais quelle est la nature exacte de ces pouvoirs et sont-ils réellement séparés? C'est-à-dire, constitutionnellement séparés. Ou bien de façon encore plus claire, la Constitution détermine-t-elle leur séparation effective par des articles précis, fixant notamment les modalités de cette séparation
ainsi que d'éventuelles sanctions possibles en cas de transgression caractérisée de cette séparation. Eh bien, la réponse à cette question est oui, tout au moins à la deuxième partie de cette question, concernant la sanction. Et cette sanction, elle est clairement stipulée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de façon sans appel. Une constitution qui n'établit pas la séparation des pouvoirs est nulle. Ce qui signifie, par exemple, qu'une constitution qui ne fixe pas de séparation stricte entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, par exemple, est tout simplement frappée de nullité. Mais au-delà de cette question, cette première petite question non résolue de la séparation des pouvoirs, il y a une question, me semble-t-il, plus importante encore à se poser. Ces trois pouvoirs étatiques sont-ils de même niveau? Ou bien dit autrement, y a-t-il un pouvoir qui prédomine sur les autres? C'est-à-dire, en définitive, y a-t-il un pouvoir suprême? Un seul pouvoir suprême, et non pas plusieurs pouvoirs qui officieraient séparément et simultanément, chacun dans leur domaine respectif. À cette question, il existe une réponse claire et sans ambiguïté, et valable pour tout type d'organisation collective. Réponse que je donne personnellement, il n'y a qu'un seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire la loi, c'est-à-dire d'édicter tout type de règles qui s'imposera aux membres de la collectivité, qui s'imposera par la coercition. Le dénommé pouvoir exécutif, quant à lui, ça n'est rien d'autre qu'une bureaucratie, qu'une organisation dotée d'une force armée devant veiller à faire appliquer les lois. Les lois, c'est-à-dire les règles abstraites décidées par le pouvoir législatif et pas lui seul. Par lui seul, le pouvoir législatif. Alors certes, le dénommé pouvoir exécutif possède une forme de pouvoir. Un pouvoir plus concret que celui du pouvoir législatif, mais un pouvoir de niveau inférieur. C'est celui d'énoncer des commandements opérationnels, c'est-à-dire de prendre des décisions relevant soit de la prestation de services, services de police, services sociaux, soit de la production de biens matériels, construction de routes, de bâtiments publics, d'écoles, par exemple. Et ces commandements opérationnels sont décidés dans le strict cadre limité juridiquement par ce qui est autorisé par la loi et dans le strict cadre limité de l'enveloppe budgétaire que lui a conféré le pouvoir législatif dans la loi de finances annuellement votée. Cette limitation du pouvoir exécutif, ainsi précisée, pourrait même nous amener à revoir le terme même de pouvoir, le mot même de pouvoir qu'on affecte à l'administration exécutive de l'État, et à le rétrograder en termes de fonction, mission ou rôle. Fonction exécutive, mission exécutive, rôle exécutif, au lieu de pouvoir exécutif. Alors, attention. Il faut noter que ce raisonnement n'est valable que si la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution est effectivement constatée dans la réalité. Parce que, dans le cas par exemple, où la fonction exécutive empiéterait sur le pouvoir législatif en s'arrogeant des prérogatives en dehors de son domaine, comme l'édiction de règles coercitives notamment, eh bien, nous nous trouverions en présence d'un abus de pouvoir caractérisé. Et cela enclencherait naturellement un autre débat. Alors maintenant, pour ce qui concerne le troisième pouvoir étatique, le pouvoir judiciaire. Le principe de sa subordination au pouvoir législatif est similaire, dans la mesure où sa liberté d'action, la liberté d'action, c'est la liberté de prononcer des sanctions au regard d'une infraction prouvée,
Cette liberté d'action, elle est limitée par la description de la règle, la façon dont cette règle a été décrite au sein du code juridique concerné, code pénal, code civil, code du travail, code des sociétés, code des impôts, etc. Sauf si l'arrêt en question est rédigé de façon imprécise. C'est-à-dire que l'infraction n'est pas décrite de façon claire. Et ou si la sanction prévue prend la forme d'un large éventail laissé à l'appréciation des juges, en fonction de la personnalité du contrevenant ou en fonction des conditions environnementales de la constitution de l'infraction. Et c'est là toute la distinction, et partant la polémique, entre une forme de justice d'obédience sociale et une forme de justice d'obédience objective. La première pouvant conférer à la justice un réel pouvoir concurrentiel à celui du législatif, mais attention, ça ne serait possible qu'avec l'accord de ce dernier, sans quoi la chose ne serait pas possible. Et la seconde, entérinant la suprématie du pouvoir législatif, mais cela également ouvre sur un autre débat, qui peut-être va s'enclencher maintenant. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Bien, merci Christian, c'était effectivement très centré, différent et très complémentaire de ce que j'avais pu présenter l'autre fois. Et du coup, ça donne vraiment un autre éclairage tout à fait intéressant en se focalisant sur le pouvoir politique tel que on le rencontre dans nos sociétés, je dirais, en France notamment. Alors, ta contribution m'a fait naître en moi un certain nombre de questions et de réflexions. Déjà, je dirais, en préambule, la première remarque, c'est est-ce que le politique est purement humain ? Bon. C'est un peu anecdotique, je dirais, hein, mais bon, c'est essentiellement humain, effectivement, parce que nous sommes des animaux sociaux, mais nous ne sommes pas les seuls animaux sociaux. Et il y a d'autres animaux évolués, je dirais, hein, qui ne sont pas gouvernés par la chimie, par les phéromones ou des choses comme ça. Pas que, en tout cas. Dans lequel il y a aussi des jeux d'alliance, des jeux de pouvoir qui existent. C'est chez les singes, chez les loups, notamment. Et à mon avis, chez les suricates aussi, qui sont des animaux sociaux, je crois que le suricate, c'est le seul animal qui fait la guerre aussi. Enfin, avec l'homme, évidemment. Ils se font la guerre entre tribus de suricates pour les possessions de territoire. Donc, c'est un peu anecdotique, mais c'est juste pour que nous faire descendre du trône sur lequel on a tendance à nous mettre trop souvent et sur lequel, après les religieux, je dirais, les scientifiques nous ont également positionné sur un piédestal que je crois il est bon de nous faire descendre le plus souvent. Je ferme cette parenthèse qui, bon, est un peu périphérique par rapport à notre débat, mais qui fait aussi peut-être la transition, parce que enfin, quand je parlais du pouvoir l'autre jour, je parlais vraiment du pouvoir au sens général et pas que politique. Hein, parce que quand je parlais justement du pouvoir des scientifiques ou du pouvoir des religieux, ben, il est clair que là, on a d'autres voies d'exercice du pouvoir par l'idéologie ou par la spiritualité. Bon, je referme cette seconde parenthèse. Alors, moi, j'ai deux remarques importantes sur la notion de séparation des pouvoirs que tu as évoquée. Effectivement, les pouvoirs doivent être séparés. Mais pour qu'ils soient réellement efficaces, et je pense que c'est quelque chose qui est assez rarement, pas suffisamment mis en avant, parce que ça a l'air d'aller de soi, c'est qu'il faut que les pouvoirs aient les moyens de faire appliquer leurs décisions. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre l'exemple du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, au fond, ne peut fonctionner
que s'il y a des institutions qui lui accordent les budgets suffisants, parce que ça passe quand même souvent, pas que, mais quand même souvent par le budget qui est présenté, en tout cas dans notre République, par l'exécutif. Donc il y a déjà une tutelle de l'exécutif, qu'on le veuille ou non, également par des moyens humains, puisque il faut aussi que les forces de police soient à la disposition des juges et tout ça. Et ces moyens-là, ils sont généralement à la... Ah, pardon. Ils sont généralement à la main de l'exécutif. D'ailleurs, on le voit bien dans les réquisitions, quand il y a des juges d'instruction qui veulent... quand l'exécutif ne veut pas qu'on embête quelqu'un, eh bien, on s'arrange pour pas qu'il y ait les forces de police suffisantes pour que... pour faire des perquisitions ou des choses comme ça en temps et en heure. Donc, en définitive, pour qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs, il ne faut pas simplement que la séparation soit formelle et inscrite dans la loi, il faut également qu'elle soit matérialisée dans des institutions tout à fait concrètes. Et c'est vraiment, je m'excuse encore de parler de la Constitution dans laquelle sur laquelle on a travaillé à l'investisseur, mais c'est vraiment un des éléments très importants sur lequel on a travaillé, qui est souvent passé sous silence, je ne sais pas pourquoi, peut-être justement parce qu'on ne réfléchit pas assez sur ce qu'il faudrait mettre dans une Constitution, c'est bien l'objet du CRC, justement, le fait que, notamment le pouvoir judiciaire, le pouvoir de contrôle, en définitive, et les moyens de faire appliquer sa politique, de ses décisions, il est tout à fait essentiel. Donc ça veut dire des forces financières, hein, des forces brutales, etc., etc. Donc ça me semble tout à fait important, cette question des moyens, et qui n'est pas suffisamment abordée, et ça ne se règle pas, enfin ça se règle par des textes, mais ça se règle aussi concrètement par des institutions concrètes. Ça, c'était la première question. Bon, j'ai pris l'exemple du pouvoir judiciaire, parce que c'est sans doute le plus facile à illustrer et à comprendre. Alors, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus, sinon j'aurai un deuxième sujet sur le pouvoir suprême. Peut-être que c'est peut-être mieux que tu enchaînes tout de suite, puis je reprendrai la parole après. Ah, c'est comme tu veux. Non, vas-y, comme ça. Si ça te dit de réagir sur ce que je viens de dire à l'instant, enfin, sur ces déjà. C'est peut-être plus vivant si on le fait comme ça. Comme tu veux. Allez, vas-y. Enfin, je sais pas, à moins que tu n'aies rien à dire, ça m'étonnerait. Oh. Bon. La politique est-elle uniquement un produit de l'homme, enfin de l'espèce humaine? Tu as cité quelques espèces animales qui faisaient certaines choses dans le domaine de l'organisation collective. La politique, oui, je pense qu'elle est uniquement d'essence humaine parce qu'elle établit des règles qui ne sont pas celles de la nature. Quitte à démontrer, bon, peut-être des zoologues, des éthologues pourraient nous démontrer que certains animaux ont dans leur collectivité, parce que c'est vrai que les animaux vivent en collectivité, mais me semble-t-il qu'ils vivent, ils s'organisent entre eux en tenant compte uniquement des règles de la nature. Alors que l'homme a cette spécificité, c'est pour ça qu'on parle d'anthropomorphisme, cette spécificité d'avoir créé des règles qui sont indépendantes, qui ne sont pas, qui sont d'une part indépendantes des contraintes naturelles et qui ne sont pas axées pour, enfin, qui sont indépendantes, qui ne sont pas axées sur la gestion des règles naturelles. Voilà. Bon. Je ne sais pas si ce sujet est extrêmement en lien avec la notion de pouvoir, mais voilà ce que vous voyez là-dessus. Alors, pour ce qui concerne la séparation des pouvoirs, tu indiques que les pouvoirs, oui, doivent absolument être séparés. Eh bien, moi, alors, c'est ce que dit la Constitution,
et ce qui n'est pas fait, c'est ce qui constitue d'ailleurs ce que j'appelle un abus de pouvoir, mais tout simplement une violation constitutionnelle, c'est que si on regarde objectivement ce qui se passe, la façon dont le judiciaire fonctionne, la façon dont l'exécutif fonctionne, eh bien, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Mais au-delà d'une part, de la constatation de ce que dit la Constitution et de la constatation de ce qui se passe dans la réalité, il me semble qu'il y a une question en amont qui mérite d'être posée, c'est que peut-on séparer les pouvoirs? Est-ce qu'on peut séparer les pouvoirs? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on prend cette trilogie, législatif, exécutif, judiciaire, est-ce qu'on peut avoir un législatif qui exerce son pouvoir, à côté un exécutif qui exerce son pouvoir, et à côté un judiciaire qui exerce son pouvoir, sans tenir compte de l'autre? Si les pouvoirs sont séparés, ça veut dire que tu as indiqué très 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 justement et que les pouvoirs devaient avoir les moyens de leur travail en tant que pouvoir. Bon, ça c'est une évidence qui mérite d'être précisée parce que c'est pas forcément le cas. Et donc, si on se met dans le cas de figure où nous avons trois pouvoirs avec les moyens d'exercer leur pouvoir, c'est-à-dire un législatif avec les moyens de fabriquer des lois, un exécutif avec les moyens de faire ce que j'appelle la prestation de services et de la production de biens au service de la collectivité, si on a un pouvoir judiciaire qui a les moyens de juger et de trancher des litiges entre les personnes et enfin, entre les personnes physiques et morales et entre les deux ou alternativement. Eh bien, si on a ces trois pouvoirs qui sont en pleine possession de leurs moyens, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut imaginer une société où on a trois pouvoirs distincts et qui fonctionnent? Alors, moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas, c'est pour ça que je dis que cette séparation des pouvoirs est une illusion, parce qu'une illusion, je dirais, sémantique, savoir qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. Et c'est pour ça que j'en viens au pouvoir suprême, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif, les autres sont soit des pouvoirs dérivés, soit des pouvoirs secondaires, soit des pouvoirs de niveau inférieur, soit tout simplement des administrations, des bureaucraties, des missions. Voilà. Bon, parce que lorsque j'argumente la thèse sur laquelle il n'y a qu'un seul pouvoir, que j'appelle pouvoir suprême, parce qu'il est supérieur aux autres, c'est pas uniquement parce qu'au niveau idéologique, ça me paraît être à la logique même, c'est aussi que d'un point de vue mécanique, il ne me paraît pas possible d'avoir trois pouvoirs qui fonctionnent de façon séparée, de façon distincte, sans. Si on est séparé, c'est qu'on ne tient pas compte de l'autre. Ou alors, on est dans le sophisme, c'est-à-dire qu'on va dire oui, mais le pouvoir judiciaire il est séparé du législatif, mais il faut qu'il exécute les lois qui sont écrites. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas séparé. Si le pouvoir judiciaire est obligé de rendre des jugements qui sont conformes à ce qui est écrit dans stricto sensu dans le code pénal, bon, il n'est pas séparé, il est subordonné. Voilà, c'est ça la question que je pose. Enfin, la question, mon argumentation est basée là-dessus. Bon, bah, du coup, tu as terminé? Oui? Oui. Bah, du coup, ça donne vraiment une transition en plus, justement, sur cette question du pouvoir suprême, puisque, effectivement, on en arrive, en fait, même s'il y a une séparation des pouvoirs, des champs quand même qui sont différents, effectivement, au final, on s'aperçoit que cette séparation des pouvoirs, moi, je pense qu'elle peut être réalisée. C'est justement aussi la Constitution qui doit le poser, en disant poser les organisations, donc les institutions, mais également
les interactions entre ces différentes institutions. C'est cela que doit poser une constitution. Quelles sont les institutions et quelles sont les interactions, les règles d'interaction entre ces institutions. Dès lors, pour moi, le pouvoir suprême, si tu veux, c'est pas tant le pouvoir législatif, c'est le pouvoir constituant. C'est le pouvoir de faire appliquer et respecter la Constitution, voire de pouvoir faire évoluer la Constitution, puisque c'est la loi des lois, c'est la loi, pour le coup, suprême. Et dès lors, pour moi, le vrai pouvoir, s'il doit y avoir un pouvoir suprême, c'est le pouvoir constituant qui tire et qui, pour être suprême et être légitime, doit tirer sa source en démocratie, si on va appeler ça une démocratie, sinon on appellera ça autrement, qui doit tirer cette légitimité de ce qui doit être tout en haut de la hiérarchie des pouvoirs, c'est-à-dire le peuple. Sinon, on est dans un souffle. Donc pour moi, le pouvoir suprême, ça doit être le pouvoir constituant. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis, qu'en définitive, nous, le pouvoir suprême qu'on a mis dans la constitution impétissaire, qu'on propose, hein, qui est toujours en construction, et d'ailleurs, on a rajouté des choses très récemment à ce sujet-là, précisément. Le pouvoir suprême, en vérité, est détenu par la chambre constitutionnelle, qui est la chambre de contrôle, qui est en définitive l'image du peuple en action en permanence. C'est-à-dire, c'est vraiment les représentants du peuple au plus près de ce qu'est le peuple. C'est l'idée de cette chambre, en définitive. Il n'exerce pas directement le pouvoir législatif pour tout ce qui est les lois ordinaires ou ce qui en est une émanation, le pouvoir exécutif ou subsidiaire, comme tu le dis, pour le pouvoir judiciaire. Mais du coup, c'est vraiment le pouvoir suprême, c'est le pouvoir constituant. Donc, qui doit être au plus près du peuple si on veut si on se veut être une véritable démocratie. Restera une autre source, mais bon, peut-être ça débordera du coup le cadre de cette présentation, qui est en fait le pouvoir qui est transcendant à l'homme et qui alors, est-ce qu'on peut l'appeler pouvoir? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce sont des lois naturelles que l'on incorpora ou pas, selon qu'on est en faveur justement du droit naturel ou pas dans la Constitution, justement comme la loi suprême, encore au-dessus de cette loi des hommes, fut-elle la loi constituée. Voilà. Mais ça peut être un autre débat là que nous aurons l'occasion de mener par ailleurs. Voilà. Alors, je pense merci. Que ça t'inspire. Oh, ben ça m'inspire, oui. Bien sûr que ça m'inspire. C'est tellement pertinent ce que tu dis que ça ne peut qu'inspirer le débatteur objectif. Alors, la notion de séparation. La notion de séparation, ça doit être creusé. Qu'est-ce que ça veut dire, séparation des pouvoirs? Et si on posait la question autrement, pourquoi cette idée, cette obsession de vouloir séparer les pouvoirs? Alors, moi je considère que séparer les pouvoirs, c'est pour bien dire qu'ils ne fusionnent pas. L'ambiguïté, le contresens, la confusion vient, me semble-t-il, du fait que quand on dit séparation des pouvoirs, on imagine trois pouvoirs de même niveau. Bon, je reviens sur ma marotte, hein. D'accord, tout le monde vient revenir sur sa marotte. Séparation des pouvoirs, pour moi, ça veut dire attention, il ne faut pas que ça fusionne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de même niveau. Il ne faut pas tirer. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tirer. Du fait qu'on écrit dans la Constitution qu'il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs, il ne faut pas tirer de cela la conclusion qu'il y a trois pouvoirs de même niveau. Non.
séparer les pouvoirs, quand la Constitution dit attention, il faut séparer les pouvoirs, la Constitution dit attention, il ne faut pas que ces pouvoirs fusionnent. Ça veut dire qu'il ne faut pas que que le travail de l'exécutif, alors là, il faut bien décrire ce que doit faire l'exécutif. On va pas dire pouvoir exécutif, on va dire l'exécutif. Attention, ce que doit faire l'exécutif, hein, ça ne doit pas être fait par le législatif. Est-ce que le travail que fait le législatif, ça ne doit pas être fait par l'exécutif. Bon, le travail que fait le judiciaire, ça ne doit pas être fait par l'exécutif. Bon, voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça devrait dire. Et donc, séparation des pouvoirs, la confusion vient à la fois du mot pouvoir et du mot séparation. Il faudrait dire, il ne faut pas que les différents corps d'État fusionnent entre eux. Voilà. Bon. Parce que bah, c'est parce que voilà parce que c'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un travail législatif, qui est le travail d'édicter des règles coercitives, qui est fait par la bureaucratie exécutive. Hein. On a un travail judiciaire qui ne peut pas se faire parce que le législatif ne fait pas son travail d'édicter des règles qui peuvent être utilisées de façon efficace par le pouvoir judiciaire, et le pouvoir judiciaire, il est fait en grande partie par l'exécutif. Et d'ailleurs, une question intéressante, me semble-t-il, ce serait de dire, est-ce que le judiciaire, ça doit être distinct de l'exécutif? Alors, personnellement, je pense que le judiciaire, c'est de l'exécutif. Voilà, donc c'est un débat qui peut être ouvert et qui peut rentrer dans le cadre du pouvoir, partout où on annule la distinction entre judiciaire et exécutif et on soutient la thèse selon laquelle la justice, ça fait partie de l'exécutif. Et que l'exécutif, justice, l'exécutif, en fait, la justice, rappelons-le, est un, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, tu as dit, par exemple, il faut que la justice ait les moyens d'agir, et tu as dit, il faut qu'elle ait les moyens de contrôler la police pour que la police aille chercher le malfaiteur. Bon, cette séparation, bon, arbitraire, enfin, va être, à mon avis, non efficace entre la police et la justice, c'est un grand débat, ça. Un grand débat, d'ailleurs, qui existe dans les cercles de la magistrature. Si la police et la justice étaient fusionnées, eh bien, la justice, ce serait un département de l'exécutif qui exécute les lois, tout simplement, et qui fait appliquer les lois. Bon, alors ça, c'est un débat peut-être qu'on peut programmer. D'un côté, on va nous expliquer que si la police est distincte de la justice, en fait, elle ne l'est pas vraiment, mais enfin, admettons qu'elle soit distincte de la justice, on a une meilleure sécurité pour le citoyen parce que, voilà, bon, moi j'attends les arguments parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Hein. Voilà. Moi je dis que si la loi est bien écrite, si le code pénal est bien écrit, eh bien, on a un service de l'exécutif qui regarde l'infraction. L'infraction, il faut qu'elle soit constatée. Eh bien, constater, c'est une affaire objective, et n'importe quel service de bureaucratie de l'État peut être en charge de vérifier l'exactitude de l'infraction, et ensuite de lire ce qu'il y a écrit dans le code pénal et d'appliquer la sanction. Ça peut être même un robot qui le fait. Bon, le débat est ouvert. Alors. Non mais alors, non mais j'ai, Là, on est clairement pas non, non, non d'accord. mais, ah, non mais alors, la Mais justice. je ne sais pas si c'est le lieu, je ne pense pas que ça soit le lieu de discuter de ça. C'est dommage, mais je Non pense non qu'on mais aura l'occasion d'en parler. si parce que là, Enfin, si c'est le moment. Le lieu, oui, mais le moment, je ne sais pas ah, si mais c'est le par rapport moment, au pouvoir. c'est une extension du pouvoir. Hein. Bon, l'automaticité des peines. On parle du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est un. Quand on parle du pouvoir, on peut parler des trois pouvoirs et on peut débattre des trois pouvoirs de façon pas séparée, mais on peut consacrer
On peut centrer sur la problématique du pouvoir législatif, on peut centrer un autre débat sur la problématique du pouvoir exécutif, et on peut centrer un autre débat sur la problématique du pouvoir judiciaire. Et dans les cercles, dans les milieux judiciaires, il y a un certain nombre, nombre très important, hein, de juristes qui sont partisans de l'automaticité des peines. Alors. Ensuite, tu as dit, alors avec raison, et je suis à 100% d'accord là-dessus, c'est que le pouvoir suprême, c'est le pouvoir constituant. Mais pour moi, le pouvoir constituant fait partie du pouvoir législatif. Je ne fais pas de alors, voilà, bon, là aussi, c'est effectivement. Je ne fais pas de différence entre l'écriture de la Constitution et l'écriture des lois. La Constitution, ça n'est jamais qu'une table de la loi, c'est-à-dire c'est la loi des lois, voilà. Mais ça relève d'un travail, ça relève d'un acte législatif. Après, la question de savoir qui qui exerce le pouvoir législatif, ça c'est un débat distinct, voilà. Mais sur le principe, moi je retiens que le législatif, il écrit la Constitution et il écrit les codes juridiques, parce que tout dépend de l'organisation du corpus législatif qu'une collectivité humaine veut se donner. Une collectivité humaine peut très bien dire, je ne veux qu'une Constitution. Nous ne voulons pas de code juridique. On a déjà parlé de ça. On peut très bien concevoir une société qui n'aurait qu'une constitution et pas de loi. Et à ce moment-là, eh ben, c'est du coup le pouvoir judiciaire qui est saisi des litiges, qui lit la constitution et qui dit, mais monsieur un tel ou entité alpha, vous plaignez parce que c'est, ben, regardez, moi je lis ce qui est écrit dans la constitution, vous avez le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de le faire. Ah, bon. Il faut bien voir que les 140 000 lois, décrets, arrêtés, règlements, directives, circulaires administratives qui sont inscrites, qui font partie, disons, de l'environnement coercitif du citoyen ordinaire, parce que la société humaine a décidé de le faire. Mais on pourrait très bien, et d'ailleurs un certain nombre de mouvances politiques revendiquent de ne fonctionner qu'avec une table des principes. Voilà. Bon. Alors, qui détient le pouvoir? Je viens d'effleurer un petit peu la question. C'est un autre débat qui, à mon sens, n'affecte pas la nature de la fonction législative qu'on veut se donner. Si une société, par exemple, celle que j'ai suggérée, une société dit nous ne voulons qu'une constitution et rien d'autre. Ça doit procéder d'une décision, effectivement, d'une décision souveraine, du peuple. Bon. Et puis ensuite, le peuple va dire j'écris moi-même la constitution ou bien j'ai lu 577 personnes qui vont l'écrire à ma place. Bref, toutes les configurations sont possibles. Alors après, vient, qu'est-ce qui peut transcender tout ça? Parce que finalement, la collectivité humaine va écrire ce qu'elle veut, va écrire ce qu'elle veut, hein, elle va décider de l'instance qui va être habilitée à l'écrire ou pas, mais y a-t-il au-dessus du pouvoir suprême anthropomorphique, c'est-à-dire le pouvoir suprême que l'Homo sapiens a décidé d'écrire en dehors des contingences naturelles et de se l'imposer à lui? Bon, est-ce qu'il y a un pouvoir suprême ou pouvoir suprême? Et ce serait le droit naturel. Donc, vaste question. Les lois naturelles s'imposent de façon supérieure, souveraine et non discutable à n'importe quel type de loi que peut écrire le vulgum pecus. Alors, quand j'ai dit, moi je dis pas je suis contre le droit naturel, je dis je ne sais pas ce que c'est.
Voilà. Alors, c'est un petit peu comme Dieu. Tu vois. Bon, ben Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Spinoza, dont nous partageons tous les deux, disons, la référence, lui appelle ça une substance. Bon. Alors, Et moi, j'attends. Dieu donc la nature. Oui, Dieu donc la nature. Oui, mais alors, Dieu non la nature, mais la nature donc la substance, parce que c'est la nature. Avec l'homme, enfin, on voit Dieu à travers l'homme. Bon, et donc ça devient une substance. Bon, enfin, d'accord. Moi, les lois naturelles, j'attends qu'on me les énonce avant d'en débattre. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Oui, bah, je pense qu'on va quasiment en rester là, si tu Ouais. veux bien. Je pense que quand on voit, je pense que c'est pas neutre le fait, une réflexion comme ça, puis je te propose, hein, à moins que tu veuilles rebondir derrière, mais le fait que tu ne distingues pas dans le pouvoir législatif, le pouvoir constituant du pouvoir législatif de la loi, je dirais. Est assez significatif parce que c'est quelque part, c'est une séparation des pouvoirs. Hein? C'est encore une séparation des pouvoirs. Et enfin, ce qui m'a choqué, bon, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, du coup, séparer l'exécutif du judiciaire, quelque part, tu as fait un plaidoyer avant pour dire, mais ce qui est important, c'est de séparer les pouvoirs, donc qu'ils ne fusionnent pas. Ce qui est important là-dedans, c'est le fait qu'ils ne fusionnent pas. Et tout de suite après, tu as proposé de fusionner le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Tu as remarqué, c'est assez troublant quand même. Hein? Et donc, je te laisserai à ce trouble Non, 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 parce que c'est pas un qui trouble. pour moi est tout à fait justement problématique. Sachant que dans l'exercice de la loi, tu dis, par exemple, après tu as digressé en parlant sur le fait, effectivement, comme c'est que de l'exécution, c'est parce que les lois ne sont pas assez précises, etc. Mais bien souvent, les lois ne sont pas précises sciemment, pas du tout de façon involontaire par le législateur. Mais justement, pour que face au cas concret, un être humain, ou à une assemblée d'êtres humains, ou enfin ceux qui vont juger, justement, prennent en compte la réalité de la vie qui est toujours beaucoup plus complexe que le modèle qu'on essaye de plaquer dessus, qu'on va appeler dans le cas concret la loi. Sinon, ça voudrait dire que la loi elle-même doit décrire tous les aspects de la vie humaine, ce qui est évidemment complètement idiot et n'a pas de sens, n'existe pas, et prennent tout en compte toutes les situations et toutes les trajectoires, il y a une combinatoire infinie. Il y a quelque chose qui n'existe pas et qui est justement, je dirais, confondre, je dirais, ce que j'appelle les niveaux de modélisation. Mais là, on s'éloigne vraiment du sujet du pouvoir, ça m'embête quand même. Là, du coup. Mais enfin, je propose qu'on en reste là, parce que sinon, ça va être infini. Et en plus, je crois qu'on s'éloigne de notre sujet. Donc, sur ces sujets de niveau de modélisation, on y reviendra, c'est obligatoire, notamment parce que justement sur le législatif, tu n'as pas fait non plus cette distinction. Tu as de nous fait une fusion entre le pouvoir constituant et le pouvoir de la loi, qui pour moi sont des niveaux ce que je dis bien, des niveaux de modélisation différents. Pas des niveaux d'abstraction, hein, des niveaux de modélisation différents entre, là c'est assez clair, la loi ordinaire qui est du domaine du jeu. Et le pouvoir constituant qui est du domaine du peuple, des règles du jeu. Pardon. Et le fait que tu les fusionnais, pour moi, n'est pas du tout. Et que tu aboutisses, du coup, à une proposition de démocratie directe, est tout à fait cohérente, je dirais, dans ta démarche. Puisque, au fond, il n'y a que de la constitution. Toute loi est constitution et toute constitution est loi. Puisque de toute façon, celui qui en a pris la décision, c'est le peuple. Cette fusion, de nouveau, cette non-séparation des pouvoirs, bon, pour une des raisons que je viens d'énoncer, conduit inéluctablement à la démocratie directe. Le fait de séparer le pouvoir constituant du pouvoir ordinaire, le jeu des règles du jeu, pour des raisons de niveau de modélisation,
je répéterai, je reviendrai là-dessus dans une autre, dans un débat. Les gens qui sont intéressés, ils iront voir sur un PCCR, il y a des explications sur ce sujet-là. Permet justement de séparer le peuple, qui, ne, à mon sens, ne peut exercer le pouvoir en permanence, et ses représentants. Donc le peuple encadre par la Constitution, et le jeu se fait par des représentants. Je pense que c'est assez. On va retrouver là, peut-être, c'est peut-être là la racine des choses qui nous séparent dans nos démarches. Et puis je te laisse conclure. Oui, non, je laisse à ta conclusion. Je ferai simplement une mise au point parce que tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites, donc je vais simplement rectifier. Mais bon, non, mais ça fait partie de. Si tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites, c'est sans doute parce que je ne me suis pas exprimé de façon assez claire. Non, sur un point que je ne voudrais pas laisser passer, c'est que la démocratie directe, qu'effectivement je prône, hein, ça n'est pas du tout uniquement le peuple qui fait la constitution et ensuite la loi. Non, le peuple fait la constitution et la loi. Je dis qu'il est possible, je dis simplement qu'il est possible de concevoir un système juridique dans lequel il n'y a que la constitution. Bon, je ne dis pas que je prône ce système, je ne le prône pas d'ailleurs. Je dis qu'il est possible de le concevoir. Non, je suis partisan d'un système où il y a une constitution avec des principes. Hein, donc, effectivement, ta distinction entre le jeu et les règles du jeu, je la valide tout à fait. Donc, les règles du jeu, c'est la Constitution. Le jeu, c'est les lois. Eh bien, là, en schéma de démocratie directe tel que je le conçois, et je me termine là-dessus, c'est le peuple fait les règles du jeu, mais il fait aussi les lois qui sont en dessous. Voilà. Donc, je ne peux pas préciser ça. D'accord. Ok, bon, ben, je propose qu'on en reste là. Voilà, à bientôt. Voilà. À bientôt.